On vient d'apprendre le drame terrible qu'on vit à Laval. Euh, donc, euh, on a peu d'informations, mais que, ce qu'on sait, c'est qu'un autobus donc, euh, aurait foncé sur une garderie et euh, il y aurait des blessés euh, graves. Donc, euh, évidemment, euh, mes pensées sont avec euh, les enfants, les parents de ces enfants, les employés de la garderie. Bonjour. Je m'appelle Mike Guerrier et vous écoutez décrocher la une. Un autobus de la société de transport de Laval a foncé dans une garderie de Sainte-Rose mercredi matin, faisant plusieurs victimes. Des enfants âgés de 4 à 5 ans ont été grièvement blessés et deux d'entre eux ont perdu la vie. Le chauffeur de l'autobus a été arrêté et fait face à neuf chefs d'accusation, dont celui de meurtre au premier degré. Notre collègue Marco Fortier s'est rendu sur les lieux de la tragédie. Il nous raconte ce qu'il a vu. Marco. Bonjour Mika. Marco, ça a été un moment de choc, de surprise et de drame pour plusieurs personnes hier au Québec. Euh, Peux-tu nous rappeler les faits de ce qui s'est passé mercredi matin à Laval Donc ce qu'on sait c'est que vers 8h30 hier matin, il y a un appel au 911 qui a été logé pour rapporter un accident avec des blessés graves à la garderie éducative Sainte-Rose à Laval. Il y a un autobus qui a percuté la façade de la garderie. Il y a à peu près le tiers de, de l'autobus qui s'est encastré dans la façade de la garderie. Les services d'urgence euh, ont procédé à des évacuations, ils ont établi un périmètre de sécurité. Assez rapidement, donc, il y a 12 personnes sur place qui ont été évaluées par les, euh, les paramédics. Il y en a huit qui ont été transportées à l'hôpital. On sait qu'il y en a deux jeunes enfants qui sont décédés. Il y en a six autres qui, sont, qui ont été hospitalisés. Euh, mon collègue photographe est arrivé sur place environ une heure là, après l'événement, après la, le début de l'événement. Il rapporte que c'était relativement calme, mais il y avait quand même des parents qui arrivaient, très, très inquiets, et d'autres qui ressortaient avec leurs enfants. Euh, donc, il y avait beaucoup de va-et-vient et, et c'était quand même assez. Euh, beaucoup d'émotions dans l'air à ce moment-là. Puis j'imagine que les parents qui arrivaient n'avaient pas d'informations sur leurs enfants. Ils savaient que quelque chose était arrivé, mais sans information, là. Quand, quand il y a une chose comme ça qui arrive, c'est ce, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé. Euh, les parents, il y en a plusieurs qui ont appris ce qui s'est passé dans les médias. Euh, évidemment, la direction de la garderie n'était pas en mesure de communiquer avec tous les parents euh, tout de suite sur le coup. Il y avait quand même 80 enfants dans cette garderie-là, 15 éducatrices à peu près. Euh, donc, euh, l'information ne circulait pas super bien, comme c'est normal que ce, que ce soit le cas également. Et toi, Marco, tu es arrivé... Juste après que les blessés étaient transportés à l'hôpital, qu'est-ce que tu as pu constater, qu'est-ce que tu as vu, l'ambiance sur place ressemblait à quoi? Quand je suis arrivé en voiture, euh, c'était une très vaste scène de crime. Il faut dire que c'était euh, dans une impasse, donc et la garderie était comme au bout de l'impasse. Et euh, la scène de crime était tellement grande que euh, le, le centre de crise était à peu près à 300-400 mètres de la garderie. Donc, là, il y avait un barrage policier, il y avait plusieurs, plusieurs voitures de police. Euh, tout le monde dans le quartier, les gens qui étaient là à leur maison étaient dehors. Il y avait beaucoup de gens dehors qui se demandaient qu'est-ce qui se passait. Moi, j'arrive là, je vois qu'il y a un couple qui est dans son entrée de courbe, qui, qui surveille ça. Moi, mon but, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'ai pas plus d'informations que personne. Euh, donc, je demande tout de suite à un couple qui était dans son entrée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, on ne sait pas, mais c'est un, un quartier tranquille, la garderie a bonne réputation. Euh, et je leur dis, connaissez-vous des gens euh, qui avaient des enfants là-bas, ou avez-vous de la famille? Je me dit justement, la dame qui est là dans la rue, pas loin, euh, elle vient de sortir avec son enfant. Donc, je vais tout de suite voir la dame. Elle me raconte qu'elle que, bon, serrait son garçon de deux ans dans ses bras. Euh, elle me dit, ben, il est indemne, euh, on est chanceux, euh, elle remerciait le ciel euh, avec beaucoup d'émotion. Et donc, de fil en aiguille, je me dirige tranquillement vers le, le, la limite du périmètre. Et là, euh, on voit beaucoup de parents arriver euh, très inquiets, en pleurant. Ils savaient que leur enfant était dans le centre de crise, mais ils ne savaient pas dans quel état ils retrouveraient leur enfant. On voit des parents sortir avec, euh, avec leur enfant dans les bras. Évidemment, c'est une garderie, c'est de très jeunes enfants. Euh, c'est un peu le chaos aussi parce qu'il y a énormément de journalistes à ce moment-là qui, qui posent des questions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de témoin d'un moments tragique comme ça dans le passé? Oui, ça m'a rappelé euh, la fusillade à Dawson en 2006. Donc, euh, il y avait un tireur armé dans le, dans le collège Dawson. Euh, à ce moment-là, j'étais arrivé euh, un peu comme, euh, comme hier à Laval. Donc, tu arrives sur les lieux, il y a plein de policiers. Euh, il y a énormément d'émotions et d'adrénaline dans l'air. Dans le cas de Dawson, les policiers nous disaient il y a un tireur, on ne sait pas exactement où il est dans, la, dans le bâtiment. Donc, cachez-vous derrière les voitures, exposez-vous pas. C'est sûr que dans le cas de Laval, euh, c'était pas pareil, mais à ce moment-là, on ne savait pas non plus. Est-ce que c'était un acte euh, organisé? Est-ce qu'il aurait pu y avoir quelqu'un qui arrive par derrière et qui fonce dans la foule? C'est pour ça qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de, de lignes policières euh, euh, à cause de l'incertitude. Donc, on est toujours un peu sur nos gardes, euh, puis la présence policière nous le rappelle aussi, là, que c'est une scène où il peut arriver n'importe quoi. Là. Marco, tu es arrivé assez tôt, tu nous as parlé d'une femme qui était ressortie avec son enfant. Tu as également parlé à d'autres gens qui sont arrivés très rapidement sur les lieux. Oui, donc assez rapidement, j'ai croisé Mario Sirois et sa conjointe Ginette L'Amoureux Ils sont arrivés très très rapidement sur les lieux de la garderie. Mario Serrois nous a raconté qu'il c'était tellement de chaos, qu'il était tellement parmi les premiers témoins qu'il a dû se précipiter pour aider à maîtriser le chauffeur. Vous étiez combien d'hommes à le maîtriser? On était trois dessus, plus un qui aidait, qui le monsieur avec la casquette blanche là, qui a passé. Quatre personnes. Oui, 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 on l'a maîtrisé. Oui. C'est parce que, c'est bizarre à dire, mais il a fallu le maîtriser là, là, là. Il était nu, il était nu, quand était dessus. Quand je suis arrivé, moi, j'ai passé à gauche de l'autobus. J'ai marché, il y a trois trois pour rentrer. Là, j'ai vu qu'il y avait une porte. C'était la cuisine. Moi, je pensais que l'autobus avait juste frappé la cuisine. Je ne savais pas qu'il euh, qu y avait des enfants qui auraient pu être euh, pris là. Quand j'ai retourné de l'autre côté de l'autobus, là, c'est là que j'ai vu que la bataille était pognée. Puis là, j'ai embarqué dans le tour. Donc, le témoin me racontait que ce qu'il a vu, c'est que le bâtiment était effondré. Euh, il a dû aider à sortir les gens des décombres. Il y avait des bouts de fil qui pendaient, de la laine minérale. Une partie de, des murs, des plafonds étaient effondrés. Euh, j'ai aussi parlé à sa conjointe, donc, qui a corroboré sa version des faits, qui a vu l'accusé se faire appréhender par les policiers. C'est ça, il a maîtrisé le, le, avec les deux autres monsieur. Il a maîtrisé euh, le chauffeur par terre, là. Mm -hmm. Puis après ça, moi, j'ai vu que le chauffeur. Euh, euh, les polices le traînaient, là, jusqu'à la voiture, là. Mais, écoute, euh, je vois ses yeux encore, là, tu sais. Euh, C'était comme... Euh, C'est pas imaginable, tu sais, là. là C'était quoi qu'il y avait dans ses yeux? Ah, oh, je sais pas, de la rage ou... Il euh, était plus là, tu sais, là. là euh, il m'a fixé tout le long, là, qui marchait, là, pour aller à sa voiture, tu J'en ai encore la chair de poule, tu Ginette Lamoureux est aussi allée constater les dégâts, voir si elle pouvait donner un coup de main. Comme quand tu rentres dans la garderie, je veux dire, comme moi, ce que j'ai vu dans le premier porte, c'est la cuisine qui est là. Fait qu'il y avait plein de chaudrons, puis, tu sais, je veux dire, c'était tout renversé par terre, là. Puis les enfants étaient tous dans une pièce. Ben, en tout cas, je ne sais pas s'ils étaient tous là, mais il y avait une partie des enfants qui étaient dans une pièce en arrière. Ça pleurait, ça criait. Euh, c'était la folie en dedans, là, tu sais, je veux dire, c'est normal. Rapidement, elle a constaté qu'elle était vraiment bouleversée par ce qu'elle voyait, puis elle a décidé de sortir. Marco, une des, des questions qu'on se pose parce qu'on a vu les images dans les médias, on a vu les témoignages également, mais comme lecteur ou auditeur, moi je me pose la question, comment est-ce qu'on approche ou comment on parle à des témoins qui sont sous le choc, qui vivent des moments traumatisants? C'est très délicat parce que, évidemment, comme tu dis, les gens sont sous le choc. On ne veut pas ajouter à leur détresse. En même temps, il faut leur parler. C'est notre devoir. Moi, dans un cas comme ça, j'essaie d'avoir beaucoup d'empathie. Euh, J'approche les gens en leur demandant, en leur posant une question ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous savez? Comment vous vous sentez? Et on a une chance sur deux de qu'ils qu nous parlent. Le réflexe, c'est soit de dire j'ai pas de commentaires ce qui est tout à fait correct, ou ils vont nous raconter ce qui s'est passé et ce qu'ils savent. Il faut savoir que souvent les gens ont besoin de parler. C'est un peu thérapeutique pour eux autres aussi. Puis quand ils sentent qu'on est là pour les écouter, mmh. ça peut leur faire du bien aussi de parler. De... Évidemment, il est question de jeunes enfants. Donc, l'attachement est profond envers une garderie. Là, je me souviens quand, quand mes enfants étaient à la garderie. C'est un lieu auquel on est très attaché. Euh, donc, ça peut faire du bien de parler de, de, de ce lieu-là, euh, curieusement. Et. Euh, moi personnellement ça vient me chercher de couvrir un événement comme celui-là quand la policière euh, de Laval a annoncé dans point de presse qu'il il y avait deux des enfants qui étaient décédés l'émotion est montée en moi, j'ai eu les larmes aux yeux et je regardais autour de moi puis je pouvais presque voir quels journalistes ont des enfants dans leurs yeux puis je te le raconte là puis l'émotion remonte encore Marco, je n'ai pas ton expérience sur, euh, sur le terrain, mais explique-nous comment ça fonctionne pour un journaliste quand tu es dans une situation comme ça dramatique. Au-delà de l'émotion, comment tu fais ton travail pour être sûr qu'il soit bien fait? Je comprends les critiques qui sont faites envers les médias, surtout quand on est nombreux à un endroit. Ça fait un peu meurtre, qui, qui se jette euh, sur les gens pour avoir l'information, mais il faut savoir que l'information, on n'en a pas. Et nous, notre travail, c'est d'aller chercher les faits. Donc, euh, moi, ce que je fais autant que possible, c'est que j'essaie de m'éloigner justement de la gang de journalistes, puis euh, de mettre un peu en deuxième ligne. Donc, mon approche, c'est d'y aller doucement autant que possible avec empathie, mais en même temps, on a un travail à faire. Puis, il faut poser des questions. Et par rapport au travail, comment vous vous y prenez pour vérifier aussi que tout est véridique pour raconter une histoire qui est factuellement vraie? On était une, une bonne équipe au Devoir hier à travailler là-dessus. Donc, on était trois, quatre sur le terrain, sur place, euh, des journalistes et des photographes. Et il y avait une grosse équipe ici même au Devoir aussi qui faisait de la vérification des faits, qui approchait d'autres euh, sources, donc le, le, la STL, les élus locaux, le syndicat des chauffeurs. Donc, beaucoup de vérifications des faits qui se font. À partir du devoir, parce que sur le terrain, évidemment, ce n'est pas, euh, pas les conditions idéales pour faire des recherches euh, sur Internet puis euh, envoyer des messages à, à plein de monde. Donc, c'est un travail d'équipe. Avec toutes les vérifications qui ont été faites, qu'est-ce qu'on sait à ce stade-ci sur l'accusé Pierre-Ny Saint-Amand? On sait que c'est un homme de 51 ans qui n'a pas d'antécédent criminels, selon la police de Laval. Il travaille à la STL depuis une douzaine d'années. Euh, on a parlé à des collègues qui le décrivent comme quelqu'un de correct, euh, poli, discret. Jamais personne n'aurait pu prévoir qu'il fasse quelque chose comme celle-là. Euh, il a comparu hier par visioconférence euh, au palais de justice. Il était, lui, à l'hôpital du Sacré-Cœur où il, il a été hospitalisé. Euh, il est demeuré muet pendant presque la totalité de sa comparution. Euh, il a répondu euh, aux questions de la police pendant à peu près deux heures avant de comparaître. Euh, il va être transféré en prison une fois qu'il va avoir euh, obtenu son congé de l'hôpital. Et il va comparaître à nouveau le 17 février prochain en personne au palais de justice de Laval. Il est accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de voie de fait grave. La question que tout le monde se pose, c'est euh, quelles étaient ses intentions ou son état de santé mentale au moment des événements? Euh, ça a souvent été abordé est-ce qu'on en sait plus sur ces motifs 24 heures après l'événement le mystère reste entier on ne sait pas pourquoi il a fait ça euh, c'est la grande question on sait par contre que c'est très peu probable que ce soit un accident parce que euh, la garderie est située au, tout au fond d'une impasse il y a une espèce de rond-point euh, le chemin là est pas évident pour se rendre là il a fallu qu'il prennent comme une espèce d'élan dans le stationnement de la garderie pour foncer dans la façade. Donc, c'est peu probable qu'il ait fait ça par hasard. Euh, les témoins qui étaient là sur place nous ont raconté que l'homme paraissait pas mal désorganisé. Euh, ça a pris quatre personnes pour le maîtriser. Euh, donc, euh, ça témoigne d'un état de crise. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a été clair et a dit, cet homme-là n'est pas sur une liste d'attente pour avoir des soins de santé mentale. Il n'y a pas d'antécédents connu non plus. Euh, donc, on ne peut pas s'avancer pour le moment sur son état de santé mentale. Par contre, Michael, ce qu'il faut savoir, c'est que les experts nous disent que dans la vaste majorité des cas, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas violentes. Donc, à ce stade-ci, tout le monde nous dit qu'il vaut mieux rester prudent. Il y a beaucoup de choses en suspens, Marco, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est une tragédie qui bouleverse tout le monde en ce moment. Effectivement, il y a personne qui est indifférent face à ce qui s'est passé hier à Laval. Donc, il y a énormément de recueillement, de solidarité. Il y a eu une veillée spontanée hier à, à Laval, une veillée aux chandelles. Euh, L'Assemblée nationale s'est recueillie aussi. Le drapeau est en berne. Il euh, y a des éducatrices de plusieurs endroits au Québec qui ont proposé leur service pour prendre le relais à Sainte-Rose. Ben oui, parce qu'il y a des enfants, des parents qui vont avoir besoin de soutien aussi à travers tout ça. La vie va continuer. Effectivement, il faut que la garderie continue ses opérations d'une façon ou d'une autre. Et, et là, les questions qui se posent pour l'avenir, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher qu'un événement comme celui-là se reproduise? Est-ce qu'on peut sécuriser les garderies d'une façon ou d'une autre? Ça reste à voir. La réflexion là-dessus est commencée et on n'a pas encore le résultat. Marco, merci. Merci, Micker. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Mika Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom Richard, à la recherche Félix Deschênes et Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.